On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un nouveau commerce dans le Vieux-Saint-Jean, un comptoir prêt à manger qui va ouvrir dans les prochaines semaines, 100% sans lactose et sans gluten. Mais d'abord, on vous parle d'une grande consultation publique que vient de tenir la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu concernant les organismes communautaires et tout ce processus également de reconnaissance par la ville. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a tenu récemment un exercice de consultation à l'égard des organismes communautaires. On sait, on est dans une région où il en existe plusieurs. Certains sont reconnus, entre autres, par la ville. Bref, on va expliquer un peu l'enjeu de cette consultation. Deux invités pour en parler. D'abord, la conseillère municipale Mélanie Dufresne. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de la régisseur Marie Côté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Première question, bon, et c'est probablement intéressant de le faire aussi de façon occasionnelle, même pour la ville, hein, question de faire une mise à jour de tout ça. Quel était l'objectif derrière cette consultation? Dans un premier temps, les organismes communautaires ont senti le besoin de se faire reconnaître. Ouais. Donc, on a implanté cette reconnaissance-là il y a quelques temps. Et dans un deuxième temps, mais c'est sûr, si on reconnaît les organismes communautaires, il faut connaître aussi leurs besoins. Je pense qu'on était rendu à un point à la ville où ce qu'on devait peut-être mieux connaître nos organismes communautaires, peut-être même démystifier aussi certains préjugés face aux activités ou face à la clientèle aussi qu'on dessert. Donc, je pense que ça a été un moment assez intéressant puis assez informatif pour les conseillers qui ont participé. D'ailleurs, il y en a eu 8. Puis pour l'ensemble aussi des gens qui ont participé, autant les organismes communautaires entre eux autres, autant pour les élus de la ville et même l'administration. Parce qu'il y a quoi, Marie Côté? Une trentaine d'organismes donc qui ont participé à cette consultation, mais quand on se promène sur le site de la ville là, et qu'on va justement dans le bottin des organismes, ou même si on se promène sur Assisto, là, qui est le nouveau Exactement. Site web, c'est pas une trentaine, là, c'est des centaines d'organismes. Bien, d'abord, sur le site de la Ville, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'organismes. Ce n'est pas que des organismes communautaires. Il peut y avoir des organismes qui travaillent davantage en développement économique, des organismes de loisirs. Sur Assisto, évidemment, c'est des organismes communautaires et de loisirs, mais qui couvrent un plus grand territoire. Donc, évidemment, il y a de nombreux organismes. Ceci étant dit, nous autres, avec la politique de reconnaissance, on avait identifié potentiellement 60 organismes qui pouvaient être reconnus à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, 60 organismes communautaires qui sont peut-être régionales, mais qui œuvrent sur le territoire de la ville. Des 60, il y en a 37 qui ont fait leur demande de reconnaissance et qui ont été reconnus en janvier dernier. En fait, notre politique de reconnaissance, nous, on l'a adoptée en juin 2016. Donc, depuis juin, on a traité 37 dossiers. Là, il y a quelques dossiers là, d'organismes là, qui ont présenté leur demande de reconnaissance qui sont en traitement. Parce que justement, quand on suit les assemblées du Conseil, mais si on regarde ça même au cours des 30 dernières années, à chaque année, une ville, comme Saint-Jean, mais comme toutes les villes au Québec, donne des subventions à des organismes. Un 500 ici, un 1000 là, un 10 000 là, un 5 000 là. Bon. Mais des fois, la question qu'on se pose, c'est on dirait que, c'est, comme on dit, c'est dans la machine. Bien, pourquoi on lui donne 5 000? Bien, parce que l'année passée, on leur a donné 5 000, puis il y a 10 ans, on lui donnait 5 000. Tu sais, des fois, tu te poses la question, oui, mais est-ce que l'organisme a changé tout ça? Dans le fond, en quoi la reconnaissance de la ville vient-elle changer le statut, disons, de la ville à l'égard de son organisme? Bien, c'est de voir l'impact que les organismes communautaires ont sur nos citoyens. Je veux dire, on est tous ici pour servir le citoyen. Les organismes communautaires ont aussi leur importance. Ce n'est pas un organisme culturel, ce n'est pas un organisme de loisirs qui offre des services de soccer. C'est autre chose, c'est quoi? Donc, il faut voir c'est quoi. On peut parler d'aide alimentaire, on peut parler à la défense des droits, on peut parler de regroupement de personnes handicapées. C'est quoi? Ils font quoi? Puis c'est quoi l'impact sur notre communauté? Donc, pour vous, ce que je comprends, c'est que c'est important de catégoriser, oui, mais de démystifier dans la mesure où il y a des associations de loisirs. Ça, c'est une chose. Oui. Où on disait tantôt d'autres types d'organisations. Donc, pour vous, un organisme communautaire, c'est qu'il a une mission, il a des valeurs particulières. Est-ce que c'est ça qui fait partie de la politique de reconnaissance? Tout à fait. On vise des organismes qui travaillent davantage dans les secteurs, par exemple, de la santé, des services sociaux, de l'éducation populaire, l'action bénévole, la famille aussi. Donc, souvent, des champs d'intervention qui sont en majeure partie financés par le gouvernement provincial. Oui, c'est vrai. Ce qui fait qu'effectivement, au service des loisirs, on travaille depuis longtemps avec les organismes de loisirs. Ça, c'est des organismes avec lesquels on travaille depuis fort longtemps.
Ça répond à notre mission. Les organismes communautaires, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année passée, on ne les reconnaissait pas. On travaillait en collaboration avec certains, mais on ne les reconnaissait pas formellement. Là, on les reconnaît, c'était une première étape. Notre deuxième étape, ça a été de faire une consultation pour effectivement mieux les connaître, savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Mais ce que je comprends, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que si je m'appelle l'Association des loisirs de Saint-Edmond ou je m'appelle la coopérative d'artistes Artaud, la Ville peut quand même supporter ces organismes-là sans qu'ils soient reconnus, par contre, comme un organisme communautaire, c'est ça? Oui, exactement. Ils sont reconnus comme organismes de loisirs ou de culture. Oui, exactement. Ils sont déjà reconnus, en fait. Oui. Pourquoi c'est important de faire la différence entre les deux? Dans un premier temps, parce qu'ils n'étaient pas reconnus. Dans un deuxième temps, avec la fusion des villes, il y a plusieurs organismes qui faisaient les mêmes choses. Il y a des doublons. Il y a des doublons, mais ils ont appris à travailler ensemble aussi. Puis c'est de comprendre quel genre de dynamique ils ont entre eux autres aussi, puis comment ils travaillent ensemble, puis comment ils s'imbriquent ensemble. Puis s'ils ont de la difficulté à travailler ensemble, mais je pense que c'est la responsabilité de la Ville aussi de dire, bien, écoutez, voici les besoins. Est-ce qu'il y en a un qui peut faire une chose, un peut faire une autre chose? Je pense qu'il y a une certaine concertation qui doit se faire, puis de travailler à l'unisson avec toutes ces organisations-là, je pense que... Et quel est l'avantage pour un organisme communautaire d'avoir cette reconnaissance-là de la Ville? Là, je vous dirais que c'est sûr que du point de vue de l'organisme, cette reconnaissance-là, évidemment, ça lui permet d'avoir un interlocuteur à la municipalité, ça lui permet d'avoir certains services. La reconnaissance, c'est à ça que ça sert. Je vous dirais que les organismes communautaires, ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils nous ont dit dans le cadre de cette consultation-là, c'était de travailler en collaboration avec la municipalité dans les différents dossiers. D'être interpellés davantage. Les organismes communautaires sont des organismes qui ont une expertise. Ils travaillent, ils sont très proches de la population. Ils connaissent bien les besoins de la population. Donc, ils souhaitent mettre à contribution cette connaissance-là. Puis leur expertise, effectivement. Bon, on le sait, on est à l'ère là, des gouvernements qui ont des déficits, qui parfois même vont un peu se déresponsabiliser de certains trucs. Puis souvent, ça tombe dans la cour des villes. Tu sais, il arrive un problème d'itinérance, à Montréal, mais même ici à Saint-Jean, on va dire « Ah, bien, c'est à la Ville de s'en occuper. La Saint-Vincent-de-Paul a un problème, bien, c'est à la Ville de s'en occuper. » On dirait qu'une fois que le fédéral puis le provincial se délestent de ça, ça tombe dans votre cour. Mais en même temps, le rôle d'une ville, oui, c'est d'aider son milieu, mais... Le rôle d'une ville, c'est l'eau, c'est l'aqueduc, c'est ramasser les ordures, c'est les poules. C'est aussi le milieu communautaire. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, ça tombe dans votre cour. Oui, ça tombe dans notre cour. Mais si je parle le taux de criminalité, ça, c'est dans notre cour à nous. C'est nos polices qui s'en occupent. Si je parle du vandalisme qu'il y a sur les infrastructures publiques, c'est encore dans notre cour. Donc, il y a des organisations qui travaillent à contrer ça. Il y a des organisations aussi qui servent à rassembler les citoyens, à créer cette fierté, à tisser des liens pour renforcer le tissu social qui, après ça, diminue le taux de criminalité, diminue. Puis j'ajouterais que, tu sais, c'est la complémentarité. Tantôt, je disais, tu sais, les organismes qui travaillent, mettons, en santé, services sociaux, ils ont un impact dans le travail qu'ils font. Ils ont un impact sur la qualité de vie des citoyens. Oui. Nous, on travaille aussi pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Puis on se rejoint dans la réalisation de différents projets. Donc, c'est sûr que de travailler en collaboration avec nous, je pense que c'est ça. On développe de la complémentarité. On a déjà des belles exemples ici. Si on regarde le service de police avec travailleurs de rue, POSA, ils ont déjà une belle collaboration. On a des belles exemples qui se fait déjà que la Ville travaille en collaboration avec les organismes communautaires. Mais ça, il faut le dire, il faut le voir. Mais en même temps, puis on le sait, moi, il y a pas une quinzaine d'années, on avait fait une tournée d'entrevues dans des organismes. Mm-hmm. Puis souvent, la réflexion que je me faisais, c'est demain matin, on met ça scénario catastrophe. Là. L'organisme un tel ferme. Là. Il arrive quoi? Hein, c'est vrai, on se pose la question. Demain matin, Mélanie Dufresne a été impliquée au Centre d'action bénévole d'Iberville, mais demain matin, le Centre d'action bénévole d'Iberville ferme. Là. Ouais. Il arrive quoi? Bien, c'est des gens qui perdent leur milieu de vie. Ouais. C'est une catastrophe. Oui, oui. C'est des services en moins pour la communauté. Puis ces gens-là vont se retrouver dans le milieu
à vivre différentes problématiques, oui. puis des problématiques qui vont... avoir un impact sur tout le monde. C'est un milieu de vie. C'est un sentiment d'appartenance. Ouais. C'est un endroit où on peut aller, on peut briser notre isolement, on peut s'impliquer. C'est pas juste aussi fait pour les plus démunis quand on parle de pauvreté ou de santé mentale. C'est plus que ça. C'est des gens qui sont retraités, qui veulent s'impliquer dans leur communauté. C'est des gens qui veulent donner de leur temps, qui veulent briser leur isolement. Ouais. C'est beaucoup plus large, puis ça, il faut en parler. Puis les organismes communautaires, c'est des organismes aussi qui ont une approche particulière, ils ont une approche globale, je dirais, avec la clientèle. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ce genre de service-là et qui apprécient ça. Bon, sans nommer la liste des 37 là, que vous aviez identifiées, mais ce qu'on constate, c'est que, bon, on les a segmentés, action bénévole, aide alimentaire, alphabétisation, défense des droits, employabilité, exemple Carrefour Jeunesse Emploi, enfance, jeunesse, famille, jeune mère en action, famille à cœur, les femmes, maison INA, judiciarisation, personnes handicapées, regroupement, ressources, santé, autres. Donc, c'est un peu les différentes catégories là, que vous avez définies pour rassembler ces organismes. Bien, en fait, ce n'est pas les catégories qu'on a définies. Je vous dirais qu'à partir des organismes, de ce que vous aviez, les différents champs d'intervention dans lesquels là, ils interviennent. Bon. Et donc, d'un point de vue ville, d'un point de vue conseil municipal, dorénavant, donc, ça clarifie le terrain de jeu? Ça clarifie les choses? Bien, je pense que ça ça met en lumière ce que les organisations communautaires font. C'est sûr que là, il va y avoir un débriefing de cette réunion-là. On va avoir une présentation au conseil le 24 avril prochain pour arriver à dire, OK, qu'est-ce qu'on a observé de cette rencontre-là? C'était quoi les grandes demandes, les grandes lignes de ces organismes communautaires-là? Puis c'est la suite aussi. Qu'est-ce qu'on fait après? Quelle orientation on va prendre? On est rendu là. Parce qu'en fait, toute cette démarche-là, on disait tantôt, tu sais, les organismes communautaires, ce n'est pas des organismes avec lesquels on travaillait beaucoup. Donc, ce n'est pas des organismes qu'on connaissait bien. Donc, l'objectif de la démarche a été, en effet, de faire un portrait de ces organismes-là. Qui sont-ils? Que font-ils? Ils ont combien d'employés? Combien de bénévoles? Combien d'heures de service? Etc. On a fait un portrait de situation. Ensuite, on est allé faire un sondage auprès des organismes pour voir quelles sont leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils voudraient... quel service ils souhaitent obtenir de la municipalité et quel genre de relations ils souhaitent entretenir avec la municipalité et quels sont les enjeux qu'ils connaissent dans le milieu à Saint-Jean en matière de développement social. Comme on dit souvent, c'est à force de se parler qu'on se comprend. Tout à fait. Voilà. C'est probablement l'essence même de l'exercice. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un nouveau comptoir de prêt-à-manger. Ici même, dans le Vieux-Saint-Jean, on parle de 100% sans lactose, sans gluten. Bêta, jeudi, 19h. Quand j'ai vu la nouvelle dans le Canada français de jeudi dernier, le 23 mars, comptoir de prêt-à-manger sans gluten ni lactose, je me suis dit, oh là là, ça va intéresser pas mal de monde. C'est un nouveau comptoir de prêt-à-manger qui va ouvrir, qui n'est pas ouvert encore, mais qui va ouvrir au 183 de la rue Champlain, dans l'ancien bâtiment de l'Or Photo, où il y a actuellement la clinique jeunesse du CLSC. Elle est avec nous, d'ailleurs, pour en parler, Cynthia Forgette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Donc, pas déjà ouvert, mais déjà beaucoup sollicité. Oui, vraiment. Je suis très, très contente de ça. Je pense que ça démontre qu'il y a un besoin dans la région là, à ce niveau-là. J'ai déjà plein de gens qui m'appellent. J'ai une femme récemment qui m'a appelée. Et là, je viens d'avoir le diagnostic de la maladie cœliaque. Qu'est-ce que je fais? Peux-tu me faire des lunchs? Fait que, tu sais, là, j'ai...
La question que je me pose, puis elle est à deux volets, parce que chez moi, ma conjointe et mes trois enfants sont tous les quatre intolérants au lactose. Donc, évidemment, on le sait depuis plusieurs années. Bon, il y en a un premier qui a eu un diagnostic, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Ouais. Finalement, il y a juste moi qui est correct. On a tendance à croire que c'est, moi, c'est quasiment beaucoup, contagieux. Mais moi, je ne bois pas beaucoup de lait, j'aime mieux les boissons de soya. Oui, c'est voilà. Ça. Mais c'est en même temps, souvent, je me dis, bon, les trucs là, de sans lactose puis sans gluten, est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une vague? Pourquoi on en parle plus maintenant qu'on en parlait il y a 5 ou il y a 10 ans? Ouais. Oui, mais je me suis fait poser la question, à savoir, est-ce que tu as peur que cette mode-là passe? Est-ce que... Mais premièrement, est-ce que c'est une mode? Bien, moi, je crois que non. Là. Ouais. Derrière ça, j'ai fait une étude de marché, puis évidemment, il y a des gens qui choisissent de ne pas consommer de gluten et de lactose comme choix alimentaire. Mais mes premiers clients cibles, c'est des gens qui ont des réels problèmes de santé. C'est des gens qui ont des réels besoins, que leur intestin ne leur permette pas plusieurs choses. Ces personnes-là, ce n'est pas un choix là, en soi. Là. C'est pas une, ils n'ont pas choisi ça. Là, fait que... Parce qu'en même temps, si on y va avec les deux volets. Bon, d'abord, le lactose. Mm-hmm. De mémoire, les études, je pense, tendaient à démontrer qu'en Amérique du Nord, la proportion de gens qui ont une intolérance, petite, moyenne ou grande, au lactose est quand même assez élevée. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis allée en Asie l'été passé, puis 99 % des Asiatiques sont intolérants au lactose. Les Asiatiques sont beaucoup plus intolérants. Moi, j'étais super surprise là, quand je suis allée là-bas. Je n'ai pas été malade pendant tout. Mais ici, en Amérique du Nord, c'est quoi? C'est 70 % des gens qui, à petite ou moyenne échelle, ont une certaine forme d'intolérance? Oui, exactement. Puis à ça, bien, il se rajoute parfois le gluten, il se rajoute parfois plusieurs autres intolérances. Donc, mais même dans le cas du lactose, parfois même, il y a une variation. Quelqu'un peut prendre un verre de lait avec plus ou moins d'effet, ou la crème glacée, c'est pire, ou le beurre, ou le yogourt, ou le fromage. Donc, parfois le niveau d'intolérance peut varier d'un aliment à l'autre. Tout à fait. Chaque personne, on finit par se connaître, là. Pour moi-même en avoir là, des intolérances, là, on finit par se connaître, on finit par savoir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas. Mais il y a des gens qui, comme moi, une petite substance laitière dans un sac de chips ne passera pas. Ah, ouais, ouais. Donc, tu sais, ces personnes-là, bien, il faut qu'il y ait un endroit pour manger. T'sais. Dans le cas du gluten, il y a deux volets. Parce qu'il y a des gens qui sont intolérants au gluten, mais il y en a d'autres pour qui ils sont affectés par la maladie de cœliaque. Exactement. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que la maladie cœliaque, c'est vraiment une maladie qui va avoir un impact extrêmement grave sur les intestins de ces personnes-là. Ces personnes-là, s'ils consomment du gluten, leur intestin va se désintégrer un peu par eux-mêmes à l'intérieur, alors que les personnes qui ont une intolérance, bien, ils vont avoir des malaises gastriques, vont avoir, les douleurs sont là aussi, mais les conséquences sur la santé sont différentes, finalement. Mais au bout de la ligne, comme l'intolérance au lactose, ça revient un peu au même. Chaque personne sait qu'est-ce qu'ils peuvent manger, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas manger. C'est quoi le quotidien d'une personne qui a des intolérances au lactose ou au gluten ou qui, dans certains cas, ont la maladie de cœliaque? Le quotidien de ce monde-là, là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à tu cuisines toujours tes choses parce que tu n'as jamais de pause au niveau de ta cuisine, au niveau de... quand je pense à aller dans la famille, aller au restaurant, aller... Tu sais, la vie tous les jours, il faut qu'on mange, là, trois repas par jour. Donc, il faut toujours avoir en tête que ces personnes-là doivent se dire, « Hey, moi, si j'oublie mon lunch, je peux pas manger ailleurs. » Fait que tu as toujours ça à penser. Donc, la gestion de l'alimentation devient complexe. Les restaurants, Est-ce qu'il y a quelques restaurants, je pense quand même, là, qui offrent des menus sans gluten? C'est ça. Comme on regardait tantôt, oui, il y a certains endroits qui offrent des trucs sans gluten, mais toujours est-il qu'il faut que les acteurs dans la cuisine respectent pour la contamination croisée. Mais il y a aussi beaucoup d'épiceries aujourd'hui qui ont maintenant une rangée au complet de produits sans gluten. Oui. Donc, ça a changé. Là. Oui, ça aide énormément, mais toujours faut-il qu'ils les cuisinent. Un rythme de vie comme aujourd'hui, des fois, les familles me parlent, là, puis c'est comme un est sans œufs, l'autre est sans noix, l'autre est sans lactose. Ouais. Un moment donné, le souper, ça devient compliqué. Donc, tu sais, des fois, d'avoir une petite pause, dire « moi, je cadre la pizza », là, bien, ils ne peuvent pas faire ça. Là. Et d'où est venue l'idée, donc, d'y aller avec cette ouverture prochaine d'un comptoir, d'un prêt-à-manger qu'on appelle le bedon gluton? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Oui. Donc, l'idée, elle vient d'où? Bien, je viens de le dire, c'était un exemple un peu banal, mais moi, j'ai beaucoup d'intolérance, beaucoup d'allergies. Puis j'avais le goût de manger une pizza bien, bien normale de pizzeria. Le rêve de manger une pizza. Une pizza, tu sais, quand on a... Ce qui est compliqué pour quelqu'un qui a des intolérances. Tout à fait. Puis je me disais, Colin, ça serait donc bien simple que les pizzerias tiennent du fromage sans lactose, parce que le lactose,
Ça gère quand même un peu plus facilement que les personnes qui ont la maladie cœliaque. Prendre des comprimés avant de manger. C'est ça. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Fait que pour d'autres personnes aussi, ça ne fonctionne pas. Mais toujours est-il que, au niveau de la contamination croisée, ce n'est pas la même chose que pour les maladies cœliaques. Fait que je me disais, voyons, comment ça fait que personne fait ça, tu sais? Puis à travers de tout ça, cette pizza-là, je le vois, tu sais, j'aime être reçue, j'aime recevoir les amis, tout ça, puis... Maintenant, bien là, c'est, j'emmène mon lunch. C'est comme stressant si pour les amis et la famille de nous recevoir. Est-ce qu'on peut avoir une pizza avec une pâte sans gluten puis du fromage sans lactose? Bien sûr, moi, je vais en avoir. Est-ce que c'est bon, ça? C'est délicieux. En fait, ce qu'il va y avoir dans mon comptoir, ça va goûter le ciel, là. Mais c'est ça. Puis je trouve que souvent, dans les choses qui sont déjà pré-cuisinées dans les épiceries, on a du sans gluten, mais on n'a pas tout le temps sans gluten et sans lactose. Okay. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui sont cœliaques ou sans gluten qui sont aussi sans lactose. Puis ce qu'il y a, tu sais, des fois, on peut repasser sur le goût. Fait que, tu sais, il donc, faut comme choisir fait... entre le goût ou donc, les malaises. Donc, l'idée vient du fait de dire, moi, j'aimerais ça manger une pizza donc sans lactose, sans gluten. Donc, l'idée part de là, mais de là à s'ouvrir un commerce, là, c'est toute une autre paire de manches. Oui, il y a comme un an de processus à travers de tout ça. Mais tu sais, moi, je pense que de vivre cette réalité-là à tous les jours m'a amené à voir ce que ces personnes-là avaient à côtoyer au quotidien, de justement avoir à tout le temps planifier ses repas, planifier ses trucs, juste prendre une pause une fois de temps en temps, puis ou ne serait-ce que, comme je disais tantôt, la famille, des fois, sont stressés de nous recevoir, les amis, ah, « là, j'ai-tu pris tel ingrédient, c'était-tu correct? » Ne serait-ce que ces personnes-là puissent venir dans mon comptoir puis dire hey, « je reçois un ami, qu'est-ce que je peux lui offrir? » Comme ça, que je puisse l'accueillir sans qu'elle aille emmener son petit lunch partout. Et je présume que aussi l'autre aspect, au-delà du fait que oui, à cette heure, on peut peut-être des fois aller au restaurant ou d'aller dans les épiceries puis acheter des trucs, encore faut-il que ça goûte bon. C'est ça. Ça, c'est l'autre aspect. C'est ça, c'est ça. Puis moi, c'est ça l'objectif, t'sais, d'avoir une place où on peut manger en toute sécurité, savoir que ce qu'on mange, on ne sera pas malade après, puis en plus que ça goûte bon. Les goûts, là, les saveurs, c'est super, super important pour moi. Puis je suis vraiment très, 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 très précise là-dessus. Là. Qu'est-ce que ça implique devenir une commerçante, là, d'avoir un comptoir dans le vieux Saint-Jean, au 183 Champlain, comme je le disais tantôt, là, dans l'édifice, l'ancien édifice de l'Or Photo. Là. Donc, qu'est-ce que ça implique là, de dire, OK, là, c'est beau, j'ai une bonne idée, mais là, je deviens commerçante. Là. Il y a tout un monde et des démarches derrière ça. Et de questions. T'sais, moi, j'avais un emploi, un bon emploi avant ça. Donc, de se lancer dans le vide comme ça, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Donc, j'ai fait des démarches, mais ce que ça implique, c'est d'être capable de faire beaucoup de choses en même temps. Là. Présentement, j'aime dire que je suis comme un heureux mélange entre une poule pas de tête puis une pieuvre. Tu sais, je fais beaucoup, beaucoup de choses, mais je trouve ça super intéressant. Je rencontre énormément de gens. Je trouve que le vieux, il y a comme une petite communauté. Un ouais, il y a comme un petit côté très Et là, outre la pizza, je comprends qu'il y a peut-être des gens qui vont saliver, là, des gens qui ont envie de manger une pizza sans gluten et sans lactose. Mais quels seront approximativement disons, les autres produits là, en offre? Bien, comme je parlais, les goûts, c'est important, mais la santé aussi. Il va y avoir des repas qui vont être là, tu sais, gourmands, gastronomiques, tu sais, vraiment décadents, parce que nous autres aussi, on a envie de manger des affaires gourmands parfois, parce que souvent, c'est ça, c'est, quand c'est sans ci, sans ça, bien, ça va tout le temps être santé, tu sais. Fait que des affaires quand même décadents, mais aussi des trucs santé. Je vais avoir des repas végétariens, des repas végétaliens aussi. Je vais avoir des desserts, je vais avoir des trucs aussi de base, tu sais, parce que souvent dans les épiceries, bon, il y a des trucs de base, mais avoir des soupes, des sauces maison, des trucs de base, des sauces au fromage, ça, c'est fromage mac and cheese, là, celle-là est bien attendue. Donc, on parle de plats cuisinés. Oui. Congelés ou il pas? Il va avoir du congelé. Les deux? Sur place, là, j'ai comme à peu près 9 places assises. Là. Fait que les gens, ils peuvent venir sur place. Je vais avoir des soupes, sandwichs, salades. Ils peuvent manger sur place. Mais ils peuvent emporter, tout bien sûr. Tout à fait. C'est principalement le but derrière ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de places assises. Mais si les gens, ils veulent bien, il y a de la ils place. Ils peuvent le faire aussi. Ils vont être les bienvenus. Est-ce qu'on parle de portions individuelles ou même de portions plus familiales? Les deux. Il va y avoir des portions individuelles, des portions familiales.
en fonction des besoins de chacun. Éventuellement, le site web va ouvrir bientôt. Là. Il va avoir une plateforme transactionnelle où les gens vont pouvoir faire des commandes en ligne. Bon, éventuellement, quand je ne serai pas seule dans mon commerce, j'aimerais ça faire de la livraison à domicile aussi. Là, là, okay, donc, ouais. Parce que là, il faut papoter, puis il faut après ça tenir le commerce. Là. Exactement. Fait que c'est pour ça que je parlais de la poule puis de la pieuvre tantôt. Là. Fait que, mais jusqu'à date, la popote, c'est pas ça qui me stresse. Là. C'est plus la quelques exemples demande. De plats. J'ai quoi? Mac and cheese qui est végétalien, en fait. Ouais. J'ai toute une gamme de... Comme je dis, je suis allée en Asie, donc j'ai appris à cuisiner l'asiatique. Donc, tout le côté asiatique, sans gluten, sans lactose. Des mets très traditionnels, ou des mets indiens aussi. J'ai vraiment toute une gamme, là. Et le très, très traditionnel, le pâté chinois, des trucs comme ça. J'ai des pâtés chinois végé. Je fais des trucs de base, creton maison, creton végé, des choses comme ça. Et sur le site web, il va y avoir des menus rotationnels. Il va y avoir des choses qui sont traditionnelles toujours là. Mais à toutes les semaines, les gens vont pouvoir faire des commandes pour la semaine suivante puis venir les chercher sur place. Donc, planifier leur semaine un peu pour les parents un peu plus prévoyants. Et là, dans le meilleur des mondes, on pense ouvrir quand? La question qui tue. J'ai retardé récemment ma date d'ouverture parce que y a des délais toujours qu'on ne contrôle pas. Mais je me dis que le pire scénario, ce serait le 20 avril. Donc, le plus loin que ça peut aller, c'est 20 avril. C'est bientôt, là. C'est dans quelques semaines. C'est bientôt. Mais je travaille très, très fort pour que ce soit avant ça. Là. J'aimerais ça que ça ouvre avant ça, mais Et là, en attendant que le site web soit en ligne, si vous allez sur Facebook, faites facebook.com/... Bedon gluton sans gluten sans lactose. C'est ça. Des fois, il faut. Des fois, les gens entendent bedon glouton. Oui, c'est bedon gluton. Gluton, mais on voit l'allusion au gluten, là, mais oui, c'est ça. Je suis bien contente. De tout ça. Merci beaucoup, puis merci bonne à chance pour ce projet-là. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. C'est déjà le temps de s'inscrire pour le tournoi de golf qui va être au Pine Grove là, le jeudi 25 mai. C'est organisé par la Fondation du Cégep et des géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, vous avez tous les détails. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal avec l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le traditionnel télé-bingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 $ et une trentaine de dépositaires dans le territoire desservi pour acheter vos livrets, pour avoir la liste www.tvhr9.com. Entre-temps, pour m'écrire, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.